Je connaissais Alpha Condé depuis très longtemps et je savais qu'il avait eu un parcours tout à fait exceptionnel comme opposant irréductible aux deux dictatures de son pays. Donc, quand il s'est présenté, quand il m'a demandé de faire ce livre avec lui, j'ai évidemment été ravi de répondre positivement et ça a été pour moi un bonheur de l'écrire avec lui. Et j'ai bien sûr découvert qu'il avait ce destin et cette histoire que je lui prêtais. Il la raconte assez sobrement, mais très clairement. Et ensuite, évidemment, l'essentiel de ce livre porte sur l'avenir de son pays. Il en a une vision très précise, très claire. Il a un projet réaliste, pragmatique. Il essaye de s'y tenir. Il ne promet pas n'importe quoi. Et il sait surtout qu'il a une tâche devant lui qui est énorme. Il a, comme il le dit, à gravir jour après jour une montagne et il espère arriver au sommet. En tout cas, c'est quelqu'un qui est un vrai démocrate, qui a le sens de l'indépendance de son pays et qui va l'aider à sortir de cet oubli où il est tragiquement tombé.